Oui, fiche, je pensais bien. Aujourd'hui, je reviens pour faire mon haul solde. Et oui, alors, pour la petite histoire, mercredi, normalement, je devais vous poster cette vidéo-là. Mais du coup, je l'avais fait. Enfin, j'avais cette vidéo le soir. La luminosité était dégueulasse, je vous le dis clairement. Voilà, en plus, voilà, j'ai pas d'éclairage, donc c'est horrible. J'ai décidé donc de vous le refaire samedi, sauf que samedi après-midi, normalement je devais m'occuper de ça, de faire le montage, etc. Je n'ai pas non plus eu le temps puisque j'ai préparé mes oraux, enfin mon oral d'anglais, puisque je passe en fin de semaine, en fin de cette semaine, mes deux oraux d'espagnol et d'anglais. Pour vous dire à quel point je suis dans la merde, j'ai même pas commencé mon truc d'espagnol. Là, j'ai fini mon truc, enfin, j'ai pas vraiment terminé mon truc d'anglais et il faut que j'apprenne. Donc, ne comptez pas sur moi pour que il n'y aura pas de vidéo mercredi. Voilà, il faut absolument que j'apprenne. Voilà. Pff, en plus, bientôt le brevet blanc commence, donc je pense que vraiment il y aura de moins en moins de vidéos. Donc, voilà, je m'en excuse, mais je pense que vous pouvez comprendre. Les études passent au-dessus des passions quand même. Enfin, voilà, je pense que vous m'avez comprise quand même. À la fin de la vidéo, voilà, je ferai une conclusion en tout des soldes, mais juste en gros, j'ai été faire un mercredi les soldes. J'ai pas trouvé grand-chose, donc voilà, il sera pas très long. Je pense qu'il y a plus de blabla que à vous montrer. Mais c'est pas grave. En tout cas, je vais re-y aller parce que j'ai fait. Oui, donc. J'ai oublié de vous dire un truc. Donc mercredi en fait, j'ai pas très bien fait les soldes puisque mercredi, je suis partie à la Part-Dieu et il y avait Shine, Tenny et d'autres personnes en fait qui chantaient. Ils ont fait un espèce de concert, une interview, Radio Scoop. Et donc, du coup, si vous avez entendu Radio Scoop, bah voilà. Il y avait énormément de monde, je pouvais pas circuler. Enfin, clairement, c'était. Voilà, donc j'ai pas très bien fait les soldes, on va dire. Mais je retourne normalement le week-end prochain. Donc voilà. Bref. Que j'ai tout pris avec mon argent. Donc let's go. Donc on va commencer. Par les habits. Alors, je suis partie à Mango. Et à Mango, j'ai trouvé un truc. Mais j'ai un petit peu craqué. Bon, c'est pas trop pour la saison. Enfin, je sais pas trop comment dire. Et je me suis pris ce haut-là. Il est trop beau, enfin je sais pas moi, c'est mon enfance, c'est trop. Et là quand j'ai vu ça, en plus je sais pas si vous allez voir. Disney, donc voilà, il est trop beau. Donc c'est noir et en fait il est gris. Les couleurs en fait c'est noir, gris et blanc, enfin blanc cassé. La matière est c'est un t-shirt doux en fait, il est très doux et j'ai trop hâte de le porter. Je trouve trop beau. Et ce qui est marqué dessus, c'est marqué Girl Saints Science 1985. Je ne vais plus vous dire les prix, donc vous les aurez sur l'écran. C'est tout pour Mango. Parti ensuite à Bershka et à Bershka pour vous dire à la base. Enfin, je suis partie en fait faire les soldes pour trouver des trucs quand même un peu d'hiver. Enfin, voilà. Clairement, dans ce magasin, j'achetais que des trucs d'été. Donc, pour vous dire à quel point. Voilà quoi. Ce que j'ai craqué, mais vraiment, c'est. On va chercher les étiquettes. Voilà. Voilà, vraiment. Ça, c'est vraiment mon genre de style, vraiment. En plus, avec un col blanc, je trouve que ça marie vraiment très bien les couleurs. Alors hop, j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc voilà comment ça se présente. Sûrement un lookbook. Likez la vidéo si vous voulez un lookbook d'ailleurs. Je l'adore. Il est trop beau. Il est hyper bien coupé. J'ai pris du M pour la simple et bonne raison. C'est plus la poitrine. Voilà, bref. C'est la couleur que je kiffe vraiment en été. Vous allez voir vraiment ensuite. J'ai acheté quelque chose et qui a un rapport avec cette couleur. Puis voilà, j'adore cette couleur quoi. C'est une tuerie. Je l'adore. Voilà. Un truc, j'en ai profité alors j'en avais vraiment pas besoin. Ben, en fait, même le haut, j'en avais vraiment pas besoin. Mais voilà, quand on craque, on craque. Et je me suis pris ceci.
Je trouve que c'est assez utile, donc c'est un short. Il paraît court comme ça, alors ok, mais pas du tout en fait. Je l'ai essayé, il va plutôt bien. Donc voilà. Alors à la base, il est à 9 euros, imaginez-vous le truc. En fait, je trouve trop beau, je sais pas, un bleu marine, c'est trop beau, enfin je sais pas, j'aime trop. Et l'élastique devant, donc là ça donne vraiment envie de faire du sport, mais c'est pas vraiment pour ça que je l'ai pris. Sport que j'ai pris, mais voilà, pour sortir quand j'ai pas trop envie, mais aussi quand même pour le sport, parce que j'ai un peu, 1, 2, 3, un peu envie de me remettre au sport, donc voilà. Il est magnifique. Dernière boutique que je suis partie niveau vêtements, je suis partie à Promode, donc voilà, tranquille, et j'ai trouvé mon bonheur, vraiment. Pour ceux qui sont fans de ces trucs comme ça, parce que vous m'avez comprise. Alors, regardez-moi ça. Il est magnifique. Et là, oui, là, je peux dire que c'est un peu. Donc, alors, voilà la couleur, en fait. C'est un blanc. À la base, un blanc cassé un petit peu. Et en fait, avec des espèces de laine, mais genre. Je sais pas comment dire. Un peu comme les guirlandes de Noël. Voilà. Et vraiment. Je l'adore, il est trop trop beau. J'ai craqué, hein, bien sûr, faut pas croire. Et je le trouve hyper confortable. Il remonte vachement parce que je sais pas si vous allez vous rendre compte, voilà, il est assez court, donc c'est pas un crop top. Un top crop, oh, j'arrive jamais à le dire. Enfin bref, je pense que vous m'avez comprise. Enfin voilà, il est un peu court, donc prenez une taille au-dessus. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez qu'il fasse comme ça, qu'il arrive vraiment pile au ventre, comme vous voulez. Mais je l'adore. Est juste énorme quoi. On passe ensuite à la partie make-up et donc je suis partie dans deux magasins. Le premier magasin, on va dire que Sephora. Alors à la base, j'ai trouvé deux trois petites choses sur internet et je me suis dit peut-être qu'elles vont être dans le magasin, mais j'étais pas vraiment sûre à 100% ni à 50% clairement, parce que la fois j'ai fait les soldes d'hiver, clairement je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Et puis soit sur le site c'était indisponible. Et dans le magasin aussi n'était pas. Donc bon, vraiment ça m'a un peu saoulée. Ou alors les réductions n'étaient que sur le site et pas pas sur les produits. En fait, ça faisait partie un peu de ce que je voulais. Donc un truc ciaté. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un kit en fait. Et voilà comment ça se présente. Alors je vous explique. Donc ça c'est le verre. Alors les packaging, franchement on va pas se mentir, mais je crois que c'est le meilleur packaging quoi. Après dites-moi en commentaire si les CAT se vendent individuellement, mais moi je pense pas. Mais alors voilà vraiment. Alors qu'est-ce que c'est? En fait c'est donc donc je vais vous ouvrir. Comment ça se présente quoi, le verre? Donc vous avez la notice. Comment faire, vous avez en toutes les langues. Ensuite, on a ça. Donc, vous avez vu qu'on a un truc plastique. Donc ça, c'est fait exprès pour... vous allez voir juste après. En gros, donc, on a le vernis. Ah, le nœud est genre magnifique alors. Quand je vais vous montrer, voilà. C'est un rose bonbon magnifique. Il met de la couleur. Mais vraiment, le packaging, je sais pas... Mais vraiment, il est vraiment magnifique. Je crois que je vais le dire plusieurs fois sur ce produit, donc. Je l'adore, donc c'est la teinte Candy Floss. Vernis. Et le deuxième truc qu'il y a, donc c'est pas du tout un vernis par contre, c'est donc des fragments de coquillage. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez aussi, ça me ferait plaisir. Et voilà comment ça se présente. C'est un peu comme un peu de caviar en fait, mais voilà. Alors, ça se présente comme ça, sauf qu'il n'y a pas de pinceau, il n'y a rien. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber, mais vraiment, ça m'a l'air magnifique. Surtout pour l'été, quoi. Mais vraiment, j'ai craqué. Surtout pour ça, en fait. Enfin, je sais pas. J'adore. Aussi, un truc comme ça. Et voilà. Et en gros, le truc que je vous disais, ça sert vraiment à juste à reprendre, à faire tomber de partout. Et je trouve ça vraiment pratique. Le kit est vachement complet. Même voilà, s'il y a juste un vernis et un fragment... je trouve ça déjà top, donc en plus, alors la taille, alors attendez, enfin la taille. Il y en a combien?
Il y a 13,5 millilitres et là, enfin, c'est énorme quoi. Je sais pas si vraiment vous vous rendez compte. Et le tube est géant. Je vous recommande vraiment cette marque. Surtout pendant les soldes. Profitez-en vraiment. Ensuite, deuxième magasin. Alors, je suis partie à Kiko. Après, vers la fin de la vidéo, je vous montrerai les produits que j'avais achetés vers le début des soldes. Non, le dernier dimanche. Donc, bref, vous verrez juste après en fait. J'aurais dû le faire au début, mais bon, c'est pas grave. À Kiko, je me suis pris des produits. J'ai trouvé le truc que je voulais. Donc c'est de la collection, ouais. Alors le packaging voilà, donc c'est la collection Street Fashion, donc le packaging de, alors je vais le garder clairement, je vous le dis, c'est magnifique, les couleurs, ça donne vraiment envie d'être en été quoi, vraiment ça c'est, malheureusement t'es en hiver et tu gèles. Alors voilà comment elle se présente la palette, donc oui c'est une palette, voilà, magnifique. Et les couleurs, alors vous allez comprendre pourquoi je disais par rapport au pull, j'adore cette couleur. Voilà, c'est celle-ci vraiment. J'ai déjà le vernis qui est de ce couleur, donc de ce couleur, oui, cette couleur. Voilà comment elle se présente. Donc on a un doré, un cuivré, un vert magnifique, vert turquoise quoi, un bleu orient, je dirais. J'invente des noms, hein. Et un noir. Pailleté. Donc surtout ce pailleté sauf le vert en fait. Ouais, il est mat. Et j'ai ce que j'ai mis vraiment sur ma paupière, c'est celui-ci. Et je l'aime beaucoup celui-là d'ailleurs. Ils font vachement penser à une taille des fards de la Naked Chez Urban Decay. Donc ça avait le grand miroir. Et voilà. Elle est vraiment très belle. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Je vous ferai des swatchs. Et c'est la teinte 3 Grain du contour. Voilà. Et elle m'a coûté 5 euros au lieu de je sais pas combien. J'ai dit que j'allais pas dire les prix, mais c'est pas grave. J'ai pris 3 vernis, donc dont le premier. Ils ont tous pas du tout la même collection. Donc voilà. J'ai voulu faire autrement. Alors, le premier, ça a été celui-ci, je le voulais. Donc c'est un vernis cupcake. Voilà, le packaging, alors ça j'aime trop là. Vraiment ça change et je trouve ça trop beau. À mon avis, il y a que dans cette collection, il n'y a que deux couleurs. Donc oui, il y a un vert et celui-ci. Alors voilà comment ça se présente. Je ne l'ai pas testé, donc dites-moi en commentaire comment ça fait. Et c'est la teinte 649. Pour ceux qui la veulent, voilà, sur internet. Vernis, donc celui-là en fait j'avais entendu sur les magnétiques et j'ai voulu vraiment le tester. Le prix était hyper raisonnable, donc pour vous dire voilà comment il se présente. Donc c'est un violet très très joli en fait, et je suis pas sûre d'aller voir. Alors voilà, on dirait qu'il y a une petite couche d'irisé mais un peu argenté. C'est vraiment très très joli. Alors je ne sais pas du tout fait ce que ça fait, à mon avis ça fait ça, mais bon je sais pas trop. Voilà, et c'est la teinte 704. La dernière couleur en fait, c'était dans les pots, vous savez, à Kiko, il y a toujours les pots soldes et genre, bah, ils étaient dedans. Et puis j'ai vu un qui, à la base, un vernis normal, bah, dedans. Et la couleur, j'ai craqué. Voilà comment ça se présente. Donc c'est un vieux rose, mais je dirais un peu gris taupe. Et j'ai vraiment beaucoup la couleur. Donc c'est celui que je porte. Alors voilà, il est un peu défoncé. Mais voilà vraiment comment elle se présente. Voilà. Et c'est la teinte 508. Et je l'aime beaucoup. Pour Kiko. Et le dernier truc que j'ai pris, enfin, qui n'était pas soldé, mais j'ai pris vraiment pendant les soldes, donc je l'avais pris à Carrefour, c'est les nouveaux Baby Lips. Les. Je sais pas par contre comment ça se présente. Rescue, je sais même pas en fait comment ça se dit. Et voilà. Alors, c'est le Just Peachy. Et c'est celui que je porte. Donc, c'est un nude et il est vraiment magnifique. Il y a un effet mentholé sur les lèvres, mais ça se trouve.
Ça, vous avez un petit swatch. Voilà. Et voilà vraiment ce que ça fait. Il est très très joli. Je commande. Le même prix que les autres Baby Lips. Et puis je trouve que c'est une très très bonne alternative pour prendre en guise de. En même temps d'hydratation et. Une couleur un peu neutre quoi. C'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Et dernier truc que j'avais acheté donc le dernier dimanche des soldes. Enfin, oui. Le premier et le dernier dimanche, vous savez. Parce qu'il y a toujours trois dimanches à la suite. Le deuxième, c'était pour le. Je sais même plus pourquoi. Mais il y avait un qui était exprès pour Noël. Enfin bref. Donc je suis allée à Marionneau et j'ai trouvé ceci. Alors j'ai pris énormément beaucoup de choses pour les yeux. Je vous le cache pas. Donc, c'est ombre soyeux. Donc en fait c'est un ombre à paupières. Fini poudré, longue tenue. Alors voilà comment il se présente le packaging. Je le trouve trop beau déjà. On dirait vraiment les Pink Pot de chez MAC. Voilà. Alors on me voit dedans. Et voilà comment ça se présente. Je le trouve vraiment trop joli, vraiment. N'appuyez pas comme je sais pas quoi, mais parce que vous l'avez pété, moi j'ai fait ça et j'ai reposé, j'ai comme si rien n'était. C'est la teinte. Une beige sable, j'en avais trois. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Vraiment sur la paupière, c'est hyper joli. J'ai oublié, je vous avais dit comme quoi j'avais présenté les produits que ma mère s'est mis. Voilà, il y a un produit qui est. Que j'utiliserai. Alors, je n'ai pas les prix, enfin, je vous les mettrai comme je vous ai dit. Alors, le premier produit, c'est celui-ci, un Kiko, donc c'est les Eyes Look. Donc voilà, de nombreux paupières encore. C'est la teinte 100. Et alors, je sais pas si vous connaissez, mais en fait, c'est genre de comme ça. Alors, ici, vous avez le fard. Je trouve ça assez pratique quand on n'a pas le temps. Et on peut faire. Ah, je trouve que le. La boule, je sais même pas comment on appelle ça, mais. On peut vraiment l'utiliser au ras-til pour faire un espèce de trail liner. Comme j'avais fait pour mon make-up du nouvel an, mais en plus pratique. Et franchement, si j'aurais ça, je crois que je l'aurais fait avec. Donc voilà. Alors voilà comment il se présente. Il est très très poudreux. Alors vraiment. Hier, je l'avais testé sur moi. Je trouvais que ça ferait très, ça faisait très joli. Il y avait plein de chutes. Enfin voilà. Mais il est vraiment magnifique. C'est un. Rose gold en fait, rose gold doré quoi. Voilà, il est vraiment magnifique. Ma mère et moi on l'utilise donc voilà. Même si je ne l'ai pas encore utilisé, je vais l'utiliser. Ma mère s'est pris, c'est le truc que j'avais pris avant dans mon haul solde précédent. C'est ceci donc les Kiko, donc les long lasting stick en teinte 01 donc qui est le blanc. Là, comment elle se présente. Ma mère, elle adore le blanc, donc voilà comment il se présente. Il est magnifique. Et voilà. Allez, filles, j'espère que mon haul solde vous a plu. Donc, conclusion de tous mes achats, c'est que j'étais un petit peu déçue. Bah, déjà parce que, voilà, comme vous avez dit, mercredi, il y avait beaucoup de monde et on ne s'intéressait pas vraiment au solde. Plus, c'est vrai que j'ai bousé un peu mon argent pour. Du maquillage, donc ouais, je suis un peu aussi déçue de moi-même, mais voilà, bon, c'est pas grave parce qu'en fait, elle a acheté des baskets avec cet argent, mais clairement, là-bas, il y avait vraiment trop de monde, enfin, c'était impossible. Donc, pour moi, vous imaginez, même le mercredi à 11h, enfin, à 11h, je suis partie quoi, et il y avait déjà pas mal de monde donc. Pour vous dire vraiment, c'est vraiment la galère. Donc, j'ai été vraiment assez déçue aussi. Voilà, parce qu'il n'y avait pas grand chose de soldé. Puis, il n'y avait pas. La base des soldes, c'est des choses de faire de bonnes affaires. Bah, je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de bonnes affaires. Donc, voilà. Voilà. Je fais d'énormes bisous. Et puis, on se retrouvera pas mercredi, mais samedi, je pense. La vidéo, si vous voulez me revoir. Bisous!